Bonsoir tout le monde. Bon, nous parlons rapide là parce que le travail que les diaspora fait à l'enfant du tout, c'est les diaspora majeurs, je vous dis, il y a 21 ans. Pendant que le majeur, nous connaissons que les grands travail à fait pour la communauté qui vaut les communautés en pile montée. Bon, paquet d'électeurs officiels qui n'ont à travers l'état de Massachusetts, parmi lesquels en pile là, d'ailleurs, on connaît, c'est dans le Boston, il n'y a pas de cavine. Avec notre ça, on a appelé M. Yvon Alteyan, Fontaine Center, s'il vous plaît. Pendant que Yvon a venu pour nous faire ça marcher plus vite, Yvon recevoir un certificat qui sortit exactement dans l'office maire Menino, qui c'est une maire dans la Cour Boston que nous tous connaissons. Maire Menino dit, Yvon Alteyan qui founder Télé Diaspora, in honor of your 21 years of dedicated service to the Haitian community in Massachusetts, best wishes for continued success in all your future endeavors. Signed, Mère Menino, May 2012. Congratulations. Without going anywhere, we're going to make this so fast, so quick, your head's going to spin. We wasted a lot of time. The office of Linda Dawson Afferi, qui est une femme qui est très chère, nous, c'est frère, nous. Il y a même des ancêtres avec nous, parce que il n'y a pas de l'âge aujourd'hui. Il y a une excuse à nous-mêmes, mais pendant ce temps, il connaît que folk a recognize Yvon Alteyan dans le travail qu'il a fait. Comme son, moi, ça, c'est héritage haïtien, représentatif là, très très occupé. Et en plus, ça, on connaît. Il y a un petit bois à la côté qui ont un petit ralenti, ils sont obligés pour un petit repos. Avec ça, il dit à M. Yvon Alteyan pour vision, for your vision in establishing Télé Diaspora Incorporated and your commitment to fostering the cultural, educational, and social advancement of the Haitian community. The entire membership extend, we're talking, this one is from the House of Representatives. The entire membership present, you know, their continued success and good fortune to you. This is giving to you today, the 20th day of May in year 2012, signed by Robert DeLeo, Speaker of the House, and Representative Linda Dawson. Congratulations. Without wasting time, we're going to call Evans Alteyan. Evans, front and center, please. Okay, let's go. He's not here? You're going to take it for him? He even got the job. All right. There's a certificate of recognition presented to Evans Alteyan for his passion and service to Télé Diaspora. Nous tous qui sommes dans la communauté, nous connaissons Evans grandi avec Télé Diaspora. Ok? So, we grandi avec. So, in honor of the 21st years of dedicated service to the Haitian community in Massachusetts, best wishes for continued success in all your future endeavors. Mayor Menino sign. We got a few more. Congratulations to Evans. Stay right there. It's good. So the reason I'm trying to do that, I'm doing it so fast so we can get ready to play, to enjoy Bolo Bolo. The House of Representatives, the Commonwealth of Massachusetts House of Representatives, hereby known to all that the Massachusetts House of Representatives offer its sincere congratulations to Evans Alteyan. He's being recognized for his commitment to the continued growth and development of Télé Diaspora Incorporated and Asian media. No? I mean, toi quand nous même qui va voir ici, qui va gagner 21 ans, ouais, mais ça fait puisque 21 ans qu'on est comment Télé Diaspora a grandi. Et grandi en pile son paquet de succès. So this certificate is given on the 20th day of May, which is today 2012, at the State House, Boston, Massachusetts, signed by the Speaker of the House, Robert DeLeo, and Linda Dawson, House Representative. Congratulations and a round of applause for Monsieur Yvon Alteyan. Parce que, et encore, dans le fond que moi, je remercie tout le monde qui est là encore.
et puis remercier tout et Stéphane Linda Vecina et puis le magistrat Thomas Emmelino qui est toujours soucié du travail que le diaspora fait depuis l'existence de pendant 21 ans. Et faut qu'on dise non, l'event fait bien 21 ans, cela veut dire que l'event prend naissance ensemble avec le diaspora. Ok, sans plus tarder, on a fait appel à Gary Zizi. Gary? Ok. Mon certificat of recognition présenté à M. Gary Zizi pour son service as a television anchor of Telediaspora. Nous sommes monsieur Zavi, Gary toujours là. La tempête, comment il est l'autre bas là? Blizzard. Bon, Gary, il est toujours là. En bien, gouverneur, maire là. Voyez, citation de sa police, son citation for of recognition qui dit l'honorer le nombre de temps que vous faites pour dédiquer des services pour la communauté haïtienne dans Massachusetts. Ok, donc pour continuer à faire le même travail là, la communauté a besoin de travailler ça sincèrement. Congratulations, Gary. Sous même note, Aline c'est go, hein? Sous même note ça, on a présenté à M. Gary Zizi le Commonwealth of Massachusetts House of Representatives. Là, voyez une sincère congratulation à M. Gary Zizi pour recognition of his dedication to Telediaspora Incorporated and his commitment to advancing Haitian media. So tout the entire membership of the House Representative extend their very best wishes and hope for future good fortune and continued success. This is given to you in the state of Massachusetts at the State House, Boston, Massachusetts, May 20, which is today, 2012, signed by the House Speaker Robert DeLillo and State Representative Linda Dorsey-Napano. Seulement capable de dire merci avec Madame Marie Saint-Fleur, Linda Dorsey-Napano. Et puis, qui te pose avec nous, n'a dit nous et mon bill, nous connaissons quand même. Que Dieu la valade. Merci un peu. Sans plus tarder, nous avons recognition pour le groupe Volo Volo. Volo Volo. Volo Volo. Who's going to take it for Volo Volo? Somebody from Volo Volo. Okay, Robinson Moyes, Robinson Pal, and the Commonwealth of Massachusetts, the House of Rep. No pas perdre du temps pour nous avancer. Okay, House of Representatives, la voyons recognition for Robinson Moyes pour 21 ans de dédication à Télé Diaspora Incorporated. Tout membre. The House Representative Massachusetts a présenté recognition ça qui signé jeudi à la State House 20 mai 2012 State House Speaker Robert DeLillo et Linda Dorsey-Napano. Volo Volo de Boston. D'accord, Volo Volo Band, the mayor of Boston, Mayor Thomas Menino, said to Volo Volo for your service and dedication in maintaining Haitian culture, music and dance. This is for your 40th years of dedicated service to the Haitian community in Massachusetts. Best wishes, the mayor of Boston, Thomas Menino. And on behalf of Volo Volo, I accept this plaque, this certificate. Thank you very much. And it's not 48 years. Okay, we got Janica Altea. Bon, on connaît derrière tout garçon, toujours une grosse femme. Si pas de femmes, on n'est pas réglé. Parce que lorsque sorti ou tout le monde qui a suivi pour faire travailler au marché, mais City Council of Boston recognize Janica Altea pour faire connaître la contribution que le bail dans la Haitian communauté et support que le bail établissement Télé Diaspora. Parce que sans lui-même, il n'y a pas de faire Télé Diaspora. Parce que quand il va faire, il n'y a pas de faire. On veut aussi un sang, c'est Aina Presley, qui est Council at Large, qui va
qui vont être citation ça pour vous. Congratulations. Merci beaucoup. You know, that's a full-time job. Now I remember, I recall why Marie Mondo. Now we call for Danny Kilroy Sargent. City of Boston, ça c'est Councilor Stephen Murphy. Il voit ça, City of Boston officiellement send une résolution à Madame Danny Kilroy Sargent de Télé Diaspora Incorporated. Lido pour contribution avec groupe qui permet Télé Diaspora à achever dans la communauté panoir. Lido, Pembe la femme, Palagé, Sien, Stephen Murphy, qui jeudi 1 mai 2012. Congratulations. Merci à vous. Mesdames et messieurs, quand avec ça, by tout award in ça, au monde, je recevoir recognition ça, un round of applause, faire sentir que nous-mêmes tous, nous apprécions ça. Merci.